Bonjour et bienvenue, on est reparti. Je sais plus trop ce qui s'était passé la dernière fois. Je crois qu'on est tombé, c'est ça? Oui, je crois qu'on était tombé. On était avec Danny, on est tombé. Donc on est de retour dans les sous-sols et tout ça. Ah, je vais être honnête, la dernière fois, le dernier épisode, j'avais dit qu'on a fait 40 minutes de monstres sourds là. Mais en fait, si on compte les tunnels. Quand on est arrivé dans le campement là, dans la neige, plus après les sous-sols dans la mine, plus la ville, je crois qu'en fait c'est quasiment tout l'épisode où on a des ennemis aveugles. Donc c'est un peu trop, je trouve. C'était un peu trop. J'ai vu ça quand j'ai commencé à éditer la vidéo. Je me suis dit, putain, mais en fait c'était pas 40 minutes, c'est un peu plus quoi. Et je trouve ça un peu beaucoup. C'est un peu chiant. On avait tué aussi le boss, il nous a donné une imprimante CPU. Ok, il nous reste. Ouais, il nous reste pas trop, on va devoir faire un peu attention. Sur nos. Ah putain. Ouais. Faire attention un peu sur nos munitions. Donc on va voir. Bon bah j'ai rien dit, on a des munitions. All systems operating within normal parameters. On en a quelques-unes. Très bien. On n'est pas full vie. On n'a pas trop de munitions. On va garder les 3 soins. Alors, on a 2300. Vous voyez, cette arme-là, celle avec le point d'interrogation. Ça va être un nouveau plan qu'il faut débloquer et trouver sûrement. Je pense que ça, c'est possiblement un sniper avec le dernier logo. Possiblement un sniper, peut-être, je dirais. Parce qu'on a un peu, tout. On a le Magnum. Enfin, on a deux types de pistolets, on a deux types de shotgun. Honnêtement, vive l'imagination, mais je dirais que. Ou alors, putain, ça serait bien que ça soit un fusil d'assaut. Très bien, j'aime bien les fusils d'assaut maintenant les jeux. Même si ça consomme énormément de munitions, c'est fun, c'est fun à tirer. Je pense qu'on va attendre 2700. Alors, je pense pas que les balles explosives soient utiles pour nous, hein, je parle. Je pense qu'on va plus ou moins améliorer l'énergie au max. Je pense qu'on va attendre pour ça. Ah, mais on est vraiment de retour dans la ville, quoi. Oh là là. Ah ouais, mais on est vraiment de retour dans la ville, quoi. Je pensais qu'on était tombé plus bas ou un truc comme ça, mais merde. Non, là, on l'entend. Vous croyez qu'il est en train de passer par les conduits ou pas? Comme les nécromorphes ou pas? Non. Les nécromorphes, j'ai l'impression qu'ils étaient quand même beaucoup plus agressifs en fait, comparé aux ennemis d'ici. Ah, il m'a zappé, ouais. Jacob, il n'y avait même pas écrit la traduction. En gros, il a dit qu'on doit trouver une échelle. Un moyen de remonter, quoi, surtout. Y a quoi là? Ah, peut-être que maintenant il y a des ennemis normaux. Ok, la clinique, ça marche. Lâche ton bras et lâche ton cou, Jacob. Tu refais tout le temps les mêmes animations, honnêtement. On est bon? On est bon. Par contre, donnez-moi une petite seconde. Je suis désolé, mais une seconde. Désolé, désolé, désolé. Ok, ça devrait être mieux. Pardon. J'avoue que je faisais un rendu en même temps. Normalement, la plupart des jeux qui sont très très bien optimisés, je peux enregistrer, jouer, faire un rendu sur le même PC, parce que mon PC est plutôt bon. Enfin, il est vieux, mais il est bon quand même. Mais lui, il a un peu du mal, donc je vois qu'il ça lague un peu, donc j'ai arrêté le rendu.
Ouais, là c'est mieux quand même. C'est quoi qui fait ce bruit là? C'est un chien ou pas? Ah, c'est le moment où vous me balancez que tous les ennemis à tentacules, c'est ça? Ça sent un peu la fin si c'est ça. Mais bon, on va voir. Ok, je voudrais juste voir s'il n'y a pas autre chose. Mais mec, pourquoi tu commentes ici? On y était déjà, on est d'accord? Moi je regarde juste s'il n'y a pas des objets que j'ai loupés ou... Pourquoi tu vas commenter maintenant? Si c'était un nouvel endroit, d'accord, mais... Bon, on va avancer. Je l'ai pris lui, je sais même plus. Oui. Je commence à avoir beaucoup de gens qui ne recommandent pas Callisto hein, quand même. Ah, moi je pense qu'il vaut pas... Ouais. Bah, il est bien sans. Si vous avez jamais joué à Dead Space, à la limite je peux comprendre que vous aimez Callisto, mais honnêtement faites-vous une faveur et prenez les 3 Dead Space. Merde, je suis bloqué. Ah merde. Bouge, bouge. Eh ouais, je suis bloqué en combat. Ouais, je suis bloqué en combat. Voilà. Non, c'est bon. Vous avez vu? Je fais... J'essaye de partir en fait. Et je suis bloqué en combat complètement. Oh putain, 6 minutes. Ça a rien sauvegardé. Je suis bloqué en combat. Et je peux pas partir en fait. Je peux pas genre me prendre un coup dans le dos par exemple. Et j'ai de la vie donc je vais supporter le coup, vous voyez. Et après fuir. C'est impossible de faire ça dans le jeu. C'est une horreur. C'est quand il y a plusieurs ennemis comme ça, c'est une horreur. C'est ça que j'aime pas du tout. Ah là 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 là. Ah, ce qu'il faut faire, bah, c'est redescendre et les mettre sur les pics. Je vais pas combattre des mecs qui sont mutés. Hein. Ça sert à rien. Ils ont trop de vie. Ils ont grave trop de vie. Oh yes! What? Ok, adieu. Ah, donc c'est ça qui est censé arriver si vous combattez le premier. Ok. C'est que tous les petits arrivent. D'accord. Tous les petits arrivent. Bah du coup, on avance et on recule, quoi. Make a selection. Je commence à avoir un problème avec les tentacules. Je trouve... J'avais dit que j'arrêtais de me plaindre, putain. Parce que la visée auto, en fait, quand vous faites des combos à la masse, au bâton, ça vise pas les tentacules, ça vise la tête. Ou alors les membres, genre les joints des membres. Et moi, ce que je veux, c'est viser les tentacules pour les... Pour les tuer. Il y a des pics là. Il n'y a pas de pics.
C'est bon, on est bon. On est bon. Oh, attends, il y a peut-être un truc là. Ah non, c'est exact. Oh, c'est le tout début ça. Non, 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 c'est d'où on est tombé. Ah, là, il y a des pics. Très très bien. Est-ce qu'il n'y en avait pas un autre qui s'en est tombé? Je me rappelle plus. Non, on est bon, on avance, on avance. Ah, les forums de Steam aussi, c'est très 50-50. Les gens, ils sont où ils aiment ou ils aiment pas, mais ils n'arrivent pas à avoir des conversations ensemble, c'est horrible. Tu vas me dire qu'ils vont pas me suivre ou pas? Si, quand même. Qui m'a pas donné. Ah si 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 si. Ok, très bien. J'ai vu les gens, ils disent ouais, Callisto c'est mieux que Dead Space 3, Dead Space 3 c'est que de l'action et tout. C'est quoi, c'est Callisto, c'est pas de l'action? C'est ouf quoi. Genre ouais, j'en avais marre de tirer sur plein de nécromorphes dans Dead Space 3. Je me suis dit ah, c'est pas un jeu d'horreur. Ouais, on a passé presque 2 heures à backstab les mêmes types de monstres, mais dans Callisto, mais c'est pas grave. Oh là là, les gens qui parlent et qui se. Ouais, bref. Ah, les œillères, hein, c'est bien. Les œillères, faut tout le monde, faut que tout le monde en achète, c'est bien les œillères. Moi, je passe un bon moment, mais ah, je préfère quand même nettement Dead Space. Dead Space 3, je vais peut-être le refaire sur la chaîne. C'était un des jeux que je refaisais souvent, genre toutes les années en fait. Genre toutes les années, je fais du Parasite Eve 2, je fais un run de Parasite Eve 2, c'est un de mes jeux préférés de la PlayStation. Et je faisais Dead Space 3 aussi. Le problème, c'est que Dead Space 3 est un peu lent. Long. Un peu long. Et du coup, j'ai un peu arrêté parce que voilà, ça me prenait trop de temps en fait. J'arrivais jamais à trouver le temps de vraiment le faire en une session. Enfin, pas une session, mais genre rester sur le jeu sans changer de jeu, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup j'ai arrêté de le faire, mais j'ai envie de le ressortir un peu. Je l'ai fait en coop de plusieurs fois, full coop, c'était vraiment cool. Et solo aussi plusieurs fois, tous les modes de jeu. Et il y en a beaucoup des. Oh putain, c'est elle. Through here. Quick. That was close. Choose an item. Ouais. Ah, tu mets un autre truc, mais j'ai quasiment rien récupéré, donc il n'y avait rien du tout à faire. Donc c'est bien. Oh, it's freezing. Can't believe people live down here. Yeah, well, didn't have much of a choice. Some still don't. Alors, où est-ce qu'on va? On est censé faire quoi? Ah oui, retourner à la prison, je crois. C'est ça.
Attends, parce que si tu me laisses sprinter, on va juste faire un tour vite fait. Juste au cas où. Ah ah. Oh, décodeur parfait état. C'est 1000... 1000 et quelques, 1005 ou 1007. Oh là là, ça tue ça. On a bien fait de regarder. Ah bah ça y est, on peut augmenter quelque chose au max. The UJC is here for you. Alors, ah non, c'est 750. Ah oui, non, c'est l'imprimante. En parfait état qui vaut aussi cher. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, on avait dit que... Donc le mieux, ça serait ça, l'amélioration d'énergie au maximum. La capacité maximum, hein, on avait dit ça, hein, c'est mieux. Complete. Parfait. Alors, je vais voir un peu. Je crois que les barres, en fait, les barres bleues, elles augmentent pas du tout. Hein. C'est juste que, bah, elles doivent contenir plus d'énergie, évidemment. Mais du coup, c'est un peu difficile de savoir si on a bien augmenté ou pas. Là où on peut pas monter. On arrive. Ça tombe. It wasn't there before. No. Not back then. It used to be the mine shaft up to the surface. Why would they cover it? Don't know. But we have to cut through there to get back to the prison. Est-ce que vous êtes aussi bête que ça? C'est sûrement les gens de la prison qui ont mis ce dôme, ou alors peut-être même les mecs d'ici, hein, qui vivaient en dessous. Parce que, apparemment, il y aurait une épidémie qui vient du sol. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Après, est-ce que c'est le mec, genre le chef de la prison qui fait genre, et qui a contaminé les gens exprès? Mais ça, c'est pour contenir une épidémie, hein. C'est complètement ça, hein. Donc il y a sûrement des créatures peut-être en dessous. Pas très compliqué à comprendre. Enfin, je vais être honnêtement surpris si j'ai tort en parlant de ça. On peut avancer parce qu'il y a sûrement aucun ennemi vu qu'elle est avec nous. Elle a pas d'armes, rien, elle peut pas se défendre. Ouais, ça c'est de la quarantaine ça. C'est faire des expériences et tout ça, c'est ça. Wow. Greetings. Okay. I am Dr. Caitlin Marler, and it is my pleasure to welcome you to Arcus Station. We're excited to share with you our findings, the culmination of decades of research. Who's she talking to? Not us. I'm going to download what I can from here. Aux gens qui travaillent ici. Ouais, attends, je vais aller de ce côté, moi, d'abord. Ça me tracasse le fait qu'il y a des hologrammes dans le jeu, mais il n'y a pas de machine qui... J'espère qu'on va savoir ce qui s'est passé sur Paramo parce que je crois ne rien savoir de Paramo. Et ça, c'est un problème pour comprendre l'histoire. Après securing the site, a lab was constructed, and later a prison surrounding it. A research base with a readily available pool of test subjects. That's why Black Iron was built. Ah. It's all been some kind of an experiment. Ah, donc moi je pensais que ils avaient fait la prison et après ils avaient découvert donc ces choses-là. Mais en fait non, c'est l'inverse. Ils ont découvert ces choses-là
Après, ils ont construit donc sûrement une colonie, ils ont sécurisé le site, ils ont fait le laboratoire. Et après, ils ont dû, bah, du coup, avoir des sujets, quoi, des cobayes. Et ils ont créé ensuite la prison. Intéressant. Intéressant. After decades of searching, the prize is finally within our grasp. The source, where it all began. A bold new chapter for our project. Via Solitaris. Ok. Vir Solitarius, ok. Mais ça fait quoi? Arrête de toucher ton bras, putain, mais il le fait trop de fois, ça me rend fou. Une lock. C'est pas traduit. My God. Ah, ils l'ont combattu. Oh, Ferry. You mean we got some unfinished business? Oh mon dieu. This you can see. Things have changed. Jacob, I found the surface access door. I'm trying to open it. Oh, attendez, attendez, parce que là je vais rigoler. Alors, je vais vous dire un truc, et pour ceux qui sont un peu plus vieux, genre qui dans la trentaine et qui connaissent le film dont je vais parler, vous allez rire, ok? Vous connaissez Doom, mais le film avec Johnson, comment il s'appelle? Ah putain, The Rock, le catcher, enfin l'ancien catcher. Dwayne Johnson. Vous connaissez ce film-là? Mais il ressemble à The Rock, là. On est d'accord avec les cheveux, avec le mec Barak et tout ça, les sans cheveux et tout ça. Et le plot, l'histoire, en fait, de Doom, c'est que sur Mars... En plus, l'histoire, honnêtement, l'histoire du premier film... Doom, désolé, je vais faire un petit moment histoire et je vais parler des films et tout ça, parce que, honnêtement, ça me fait rire. Et honnêtement, vous allez voir les similarités, en fait, entre Callisto, là, et les Doom. Doom n'a rien à voir avec les jeux, en fait. Le premier film de Doom n'a rien à voir avec les jeux. Il y a juste le moment FPS, en fait, et tout ça. Honnêtement, ça vaut encore le coup de le regarder. Il est vieux, le film, il a plus de 10 ans, hein, tout ça, mais ça vaut encore le coup, il est sympa. C'est du fun. L'histoire, c'est qu'ils sont sur Mars et ils trouvent une sorte de d'ADN, en fait, genre, il y a supplémentaire et tout ça. Et ça augmente les personnes, en fait. Mais apparemment, après, il y a un peu un petit côté spirituel dans le sens où si vous vous l'injectez, vous allez ou devenir, si vous êtes genre une personne méchante, en gros, vous allez devenir une sorte de monstre et genre tuer les gens et tout ça. Et bien sûr, vous allez être décuplé, là, genre la force décuplée et tout ça, mais vous allez devenir un monstre. Par contre, si vous êtes une personne bonne, vous allez rester humain, mais vous allez avoir vos sens décuplés, genre meilleure vue, meilleure force, meilleure rapidité, etc., endurance et tout ça. Alors, vous voyez un peu ou pas le côté Callisto ou pas? Est-ce que vous voyez un peu le même truc? Parce que là, donc on a trouvé une forme d'alien, donc Callisto,
Et bon, apparemment, ils l'ont combattu. J'aurais bien voulu voir ça, tiens, les mecs qui combattent la créature géante. Mais il y avait des larves et ça augmente les gens. Et donc, ça, il y en a, ça, la plupart, ça, ils vont être transformés en monstres, comme elle a dit, l'hologramme, comme a dit l'hologramme, en monstres qui vont tuer tout le monde, qui vont attaquer tout le monde. Et après, certains, donc comme le patient zéro, c'est comme ça qu'elle l'a appelé, je crois bien, va devenir rester humain avec son intelligence et tout ça, mais il va être mieux, sera un humain plus. Vous voyez un peu ou pas? Ou alors c'est peut-être moi qui fais trop. Alors j'ai peut-être vu trop de films, hein, mais est-ce que vous voyez un peu les côtés qui se ressemblent ou pas? Donc bon. Ça m'a fait rire. Et le fait que Ferris, là, il ressemble à Dwayne Johnson. Et puis il parle pareil, genre il a la voix modifiée et tout ça. C'est un peu la fin de Doom en fait, c'est pareil. C'est top. Oh, c'est magnifique. Ah ben, c'est magnifique, c'est Doom quoi, c'est l'histoire de Doom. Oh putain. Vous voyez, c'est ça la différence, c'est que quand... Ah merde. Si vous connaissez beaucoup de films, juste une petite pause, 2 secondes. Si vous connaissez beaucoup de films ou de jeux et tout ça, vous connaissez beaucoup d'histoires. Donc c'est dur de faire. Je sais que de nos jours, plus ça avance et plus c'est difficile de trouver des idées originales. Mais encore une fois, Dead Space avait quand même une idée en général assez originale et assez pas unique. Je vais pas dire unique, parce qu'il y a sûrement des films que je connais pas moi qui ont un peu le même système. Mais Doom, Dead Space était assez récent quand il est sorti avec l'histoire du marqueur. Enfin, moi je dis marqueur, mais c'est en anglais, c'est le monolithe. Avec l'histoire du monolithe. Et je trouvais ça intéressant. Et c'était assez. Et voilà, c'était nouveau et fun dans un sens pour les jeux. Mais là. Ah non, là, je peux pas l'esquiver, je suis obligé de le combattre, je crois. Je peux pas l'esquiver. Ouais, on est obligé de faire droite gauche, quoi. Ah, fait chier. Ah, ça va être relou, hein. Ça doit sûrement être scripté, hein. Ça doit être sûrement. Merde. Ah, putain. Ouais, ça va être scripté tout le long, je crois. Plus ou moins. Je sais pas s'il faut que je tire ou pas. Ah, mes dos, ils me touchent. Oh putain, ça va être relou ce combat. Fou. Oh la vache. Ah, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais me noter un temps pour couper parce que je pense que je vais devoir recommencer énormément de fois. Et je peux pas me soigner parce que dans ce jeu, on peut pas se soigner en combat, évidemment, parce que c'est con. Ça prend trop de temps. C'est pas comme Dead Space. Donc ouais, je vais sûrement couper là et je vais essayer de faire du sans faute. Ah d'accord, c'est ça la transition. Eh ben, obligé de recharger une des sauvegardes auto là.
pour que j'aille me soigner en fait avant, parce que oui, on peut pas se soigner dans ce jeu. Désolé, mais là j'ai passé. Ah, attendez, j'ai coupé à 28. Ouais, j'ai passé à peu près 20 minutes sur le combat. Mais 20 minutes, c'est pas vraiment à combat, c'est vraiment à recharger la partie parce qu'il faut faire plus ou moins du nom du sans faute. Hein. Et j'ai dû au bout d'un moment recharger une partie un peu antérieure, donc juste avant qu'on rentre dans le laboratoire, pour aller me soigner avant de combattre Ferris. Le combat c'est de la merde honnêtement, parce que bah, c'est que de l'esquive en fait, et le jeu décide pour vous si vous avez fait une bonne esquive ou pas, j'ai envie de dire à ce point-là, c'est le jeu décide pour vous, parce que je vais essayer de faire des coupages et vous montrer, mais des fois on voit bien que le coup me touche pas, et on voit même Jacob en fait se déporter bien sur la droite ou sur la gauche, et ça va quand même vous toucher. Genre, il y a même un délai en fait quand vous prenez le coup. Donc, ah ouais, non, ce. Non, 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 là ça montre bien la faiblesse du gameplay et ce que je dis depuis le début du jeu. C'est vraiment un combat de merde. Et honnêtement, c'est Dwayne Johnson. C'est Johnson. On va l'appeler, ouais, on va l'appeler The Rock. Ferris The Rock, honnêtement, c'est exactement pareil. Bon, et elle vient de se faire infecter apparemment. Nous, ça va, on s'est fait infecter je sais pas combien de fois, mais on est toujours ok. Ça aussi, je suis pas vraiment fan quand les jeux font ça. Genre, n'utilisez pas les monstres normaux du jeu que vous rencontrez pendant tout le long du jeu pour infecter un personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous prenez Resident Evil 3 l'original, genre on peut se faire infecter par les. On peut pas se faire infecter par les zombies directement et tout ça. Jill, à un moment, elle se fait infecter par le virus. C'est parce que c'est Nemesis en fait qui l'infecte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Némésis, il a le pouvoir d'infecter en fait, avec ses tentacules et tout ça. Ben voilà, c'est des petits détails, ça, mais n'utilisez pas des monstres qu'on a combattus tout le long du jeu, quoi. Parce que nous, on en a bouffé hein, des bestioles dans la bouche. Hein. Je veux pas dire, mais on s'en est pris. Hein. Ah ouais, en plus c'est super rapide, évidemment. Ah, on est vers la fin du jeu. There's gotta be a way to reverse this! You don't know that! No, I don't. But we're not gonna give up now. We're gonna finish this thing together. Okay? Vous voyez, c'est ça le problème pour moi. Infectez pas. Je sais pas si j'ai envie de me soigner ou pas, parce qu'on va peut-être trouver de la vie en fait. Ça aussi, le fait de trouver de la vie, ça gâche un peu. Oh, regardez! Qu'est-ce que je viens de dire? Pas besoin de jouer le jeu. Alors, du can call. Ah, super. On va apprendre un peu plus sur le mec. Du can call. Des accords. What happened on Europa was a tragedy. Was a revelation. On va peut-être se soigner quand même, parce que là, ça va être un peu la galère. Je peux toujours pas sprinter, c'est cool. Ah, quoique. Haha. Ouais, non, pas besoin de se soigner. Non, ça va. Pour l'instant, en tout cas, ça va.
Elle est toujours bien, elle. Ça va. J'ai l'impression qu'il tombe. Alors pour moi, mais alors moi j'ai beaucoup, quand même j'ai beaucoup vu de films d'horreur, j'ai beaucoup joué à des jeux d'horreur. Tous les triple A, je les ai quasiment tous faits. Ah bah voilà, tu en as trouvé le. Oh, fusil d'assaut, yes. Ah bah ça c'est bien ça. J'aime bien les fusils d'assaut. Prison's running on autopilot. Systems are all shot to hell. Oh, mon dieu, c'est quoi cette almost got it. Cette lampe. Alors qu'est-ce que c'est? The whole prison's infected. We should get the hell out of here. Good idea. Warden's signal is still active in the command tower. Can we make it to him? Looks like it. I'm getting the door now. Est-ce qu'on peut la faire sauter? Le SHU. Est-ce qu'on peut faire sauter l'installation? Mais ouais, non, mais je trouve... Ah merde, attendez, si je prends le fusil d'assaut... Il va être à la place de mon fusil à pompe. Ah merde. Ça va être chiant. Ah, fait chier. Parce que c'est une plateforme modulaire. Purement. Ouais, normalement on devrait être mort là. On tue des monstres et tout, on combat des monstres et on se fait attraper par des robots, quoi. C'est débile. Tour. Oh, peut-être qu'on va rencontrer le mec, du coup. Le grand patron, là. C'est bien parce qu'ils n'ont pas pris nos armes. Right back where I started. What the hell am I supposed to do now? Find me. Waller? There's not much time. I was able to reroute one of the security units. I have Danny. Where is she? The lab at the heart of the prison. He's monitoring everything, but we can talk here. I can get you to the warden. I can cure her. I want to help. You? You put this thing in my neck, and now you want to help. Please, you must hurry. Find me, Jacob. How? There's a room ahead that connects to an area normally off limits to both inmates and guards. Find it, and I'll clear the way from here. J'imagine que Malheur, elle voulait juste faire des expériences pour, si elle nous ment pas, évidemment. Pour augmenter les humains, pour les rendre meilleurs peut-être. Et l'autre, il est devenu fou, là, le mec dans sa tour, là, dans sa tour d'ivoire. Il veut infecter genre tout le monde. Genre en disant que c'est... en pensant que c'est la nouvelle évolution de l'humanité, un truc comme ça. Ça me rappelle un jeu. Mais donc ouais, je pense que ça doit être ça. On verra. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce chemin là-bas? On va voir s'il y a des objets. Eh ben. Je suis vraiment pas vendu par le jeu pour le moment. Donnez-moi de l'argent pour... Oh putain, merde, c'est sérieux. Hop, ça va, il nous a donné de la vie. Ok, cool. Dans un sens, je commence à me demander, parce que j'ai souvent vu des coffres comme ça où il n'y a rien dedans, mais il y a un ennemi, une larve là, et elle vous donne de la vie. Je suis en train de me demander si c'est pas fait exprès par les devs, en disant, ouais, on va leur faire un jumpscare et quand même leur donner un peu de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je me demande si c'est pas fait exprès. C'est pas la première fois que ça arrive.
Ou alors c'est peut-être de l'aléatoire, hein, le... Mais bon, je sais pas. The choice is yours. Ah ouais. Pas bien Dead Space 4, quoi. Alors, le fusil d'assaut. Alors ça, je vais le faire... Automatique à 3 coups. Oh non, assigné uniquement à l'escouade d'élite de Black Iron basé sur la plateforme d'armes modulaires. Oh non, c'est un 3 coups, t'es sérieux? Alors attends, reconfigure l'impression et l'ajout d'une poignée à l'avant qu'on va sûrement pas agripper. Ajoute un module de tir alternatif et lance des munitions intelligentes. Projectile lancé se déplace au sol. Quoi? En vol, pardon. Pour atteindre les cibles mobiles. On va la créer parce que... Putain, c'est 1000. On va la créer parce que c'est une mitraillette, mais c'est un 3 coups. Donc du coup, bah, c'est beaucoup moins intéressant que ce que je pensais. Puis de toute façon, on commence un peu à être bien blindé en armement. Honnêtement, je crois qu'on peut, on peut largement finir le jeu avec ce qu'on a. Je suis quasiment certain de ça. Mais j'ai envie de dire, honnêtement, on devrait rester avec le... Pour optimiser notre run... On devrait rester avec le fusil à pompe et le magnum. Comme ça, on récupère que des armes pour fusil à pompe et magnum. Rien d'autre. Mais bon, c'est déjà j'ai skip la nouvelle arme, le pistolet tactique. J'avais testé déjà le fusil, mais après on est mort, donc du coup je l'ai pas récupéré. Mais ouais, on va quand même prendre ça. Il nous faudrait ça. Ah merde. Ça. Je prends directement la capacité, c'est pour emmagasiner plus d'armes, de munitions, pardon. Et avoir l'inventaire un peu libre. Alors du coup... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah on va tester. Hein. Puis honnêtement, même le fait de tirer 3 coups, une salve de 3 coups sur les points sensibles, c'est pas... Enfin, je sais pas. On va voir si c'est vraiment utile. Mais... Pas certain que ça soit une bonne chose. On verra. Vous avez vu, on a bien fait de pas se soigner. Hein. Putain. Et ça c'est au max. Comme d'habitude, il y a toujours le glitch. Ça, c'est pas l'arme qu'on est censé avoir. Ok, 20 balles. C'est 20 balles. C'est à peine 20 balles. C'est pas beaucoup. Bon, il nous faut toujours la batterie. Excusez-moi pour la pause, j'ai dû éternuer. Qu'est-ce que c'est? Ah! Encore ça, non! D'accord, je peux pas... Non, il faut que je combatte pour de vrai! Mais il peut pas casser les trucs? J'ai pas assez de balles pour le combattre. Non, je peux pas interagir. Ah ben ça va être fun. Je sais pas comment on va se débrouiller, mais...
qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression que quand il est dans la zone près d'un ennemi, il veut plus courir. Quoi. Hop là. Bon, au moins ça tire vite. Où est-ce qu'on va combattre? On va se mettre là. Contre un mur? Oui, voilà, ouais, c'est ça le truc. C'est qu'on est contre des murs, on est dans un couloir, donc la caméra, elle va me rendre fou. Pour viser. Et c'est ça. Il n'y a rien à attraper, il n'y a rien à faire. Je peux pas taper un truc et t'électrocuter ? J'aurais dû acheter des munitions honnêtement. D'où il m'a touché, putain. Ça va être une catastrophe de combattre ici. J'ai pas d'argent, enfin j'ai un peu d'argent. Non, j'ai rien, j'ai 20. Ah, vous avez vu, l'arme elle a changé de forme. Avec le glitch là. Tu me touches, putain.
Yes. C'est marrant parce que dans le jeu, vu que la mécanique d'esquive et de combat au corps à corps, elle est tellement, comme j'ai dit, hein, approximatif et aléatoire. Genre, ou c'est trop dur, ou alors c'est trop facile. Du coup, bah, ce que vous faites, bah, vous la faites pas. Voilà. Donc, genre, par exemple, ce monstre, bah, vous la faites pas. Vous tournez en rond et vous tirez. Ça sert à quoi de foutre une mécanique d'esquive et tout ça? Parce qu'en plus, esquiver, honnêtement, j'ai pas tout mis, hein, mais j'ai dû passer une bonne quinzaine de minutes, hein, à le refaire. J'ai essayé d'esquiver comme d'habitude, hein, vous savez, droite on tire, gauche on tire, droite on tire, gauche on tire. Le problème c'est que on est dans des couloirs, donc des fois le personnage va esquiver extrêmement bien alors qu'il est complètement genre écrasé contre une paroi et tout ça, il devrait vraiment se faire toucher. Mais ça passe, et des fois on est bien large, genre j'ai voulu combattre un peu ici, parce que c'est un peu plus large et tout ça, et je me suis fait toucher automatiquement, c'est ouf quoi. Et comme d'habitude, je me fais pas toucher en fait avant d'esquiver. C'est toujours, je fais une belle esquive, puis après je me prends un coup. Donc j'ai l'impression qu'il touche mes jambes à chaque fois. Quand Jacob se déporte, j'ai l'impression que c'est mes jambes qui touchent tout le temps. Donc ouais. Donc ouais, s'il commence à faire que ça, ça va être vite relou, honnêtement. Déjà, j'ai passé un bon moment sur Ferris. Pas énorme, encore pas beaucoup de temps, j'ai envie de dire, mais c'est de fait de recommencer sans cesse, là, avec Ferris. C'était vraiment relou. 1000. On devrait se faire des munitions, honnêtement, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais bon. Ça, c'est cher de faire des munitions. Je préfère attendre et garder ça pour les améliorations. 1500 ouais, pour les dégâts. Ouais, on va attendre un peu. Je dois dire que dans cet épisode, je passe pas vraiment un superbe moment. Voilà. Je passe pas un méga moment dans cet épisode. Bah ça c'est pour parler là, quand vous savez, quand on est en prison, parloir. Bien sûr tu mets un objet à vendre juste là, donc demi-tour. UGC Printing, have a united day. Très bien. J'ai regardé, il n'y avait pas de moyen de l'esquiver, à moins qu'il y ait un truc qui m'a échappé, mais il n'y a pas de moyen. Et j'ai essayé de faire du corps à corps, j'ai essayé de faire les attaques lourdes, parce que j'avais jamais essayé en fait sur lui. Et les attaques lourdes ne fonctionnent pas non plus. Hein. Il nous tape à chaque fois. Genre j'ai fait esquive, attaque lourde, ça marche pas. Cycle complete. Ah putain, tu me mets automatiquement là. Attends, on va changer pour le fusil parce que j'ai au moins une cartouche. C'est déjà ça. Et on va prendre le magnum. Choice. Every choice in your life has led you here. To this place, this moment. But what choice will you make, Jacob? Will you remain as you are? Or will you choose to become something greater? Make us whole, c'est ça. La phrase en anglais de Dead Space, c'est make us whole. Je sais plus comment ils la traduisent en français. Unis-nous, soyons unis, ou je sais pas quoi. Genre complète-nous, je sais pas en français ce que ça peut être. Parce que j'ai beaucoup joué en VO. Dead Space, évidemment, parce que la VO est quand même supérieure. Mais bon, c'est un vieux jeu quand même, Dead Space aussi. Mais là, Callisto aussi, au final. Il garde ce petit côté où la VO est quand même nettement mieux. Genre, à la limite, pourquoi traduire le jeu ?
Alors, t'as la Iceman. Oh là là! Nique-toi, quoi. Ah, y'en a deux. Ah, je vais crever, quoi. Enfin, honnêtement, je devrais recommencer au point de. Ouais, non, c'est bon. Après, ça, là, c'est, là, j'avoue, c'est peut-être moi qui ai mal joué. J'ai voulu esquiver tout ça. J'ai tapé pendant l'esquive. Là, j'ai tapé après ma première esquive, comme j'ai dit, il faut jamais faire ça. Alors, le fusil d'assaut, ça. Je suis désolé de, à chaque fois de vous remontrer ça, enfin des trucs comme ça, quoi. Encore une fois. Pas de bonne sauvegarde, quoi. C'est pas des vraies sauvegardes. Et... Alors. Ça. Et ça. D'accord. Il y en a deux d'ennemis, évidemment, pas un. Choice. Every choice in your life has led you here. To this place. This moment. But what choice will you make, Jacob? Will you remain as you are? Or will you choose to become something great? Merde, ok, je suis bloqué dans la. Ok. Ouais, mais je peux pas tirer sur l'autre parce que l'autre il me tape. D'accord. Oh là là, qu'est-ce que ça va être relou. Je peux pas tirer à précisément sur les tentacules si l'autre me tape en même temps, mais c'est ouf quoi. Comment je vais faire ça, moi? Non, la putain! Change d'arme! Trop tard, voilà, trop bien. D'accord, je vois pas pourquoi on tape celui-là. Oh là là. Oh putain, les derniers épisodes ils étaient un peu chiants parce que comme j'ai dit on avait combattu plus souvent les mêmes ennemis. Mais au moins c'était ça allait. Mais là, là c'est catastrophique. Peut-être moi qui suis un peu frustré du coup je fais un peu de la merde. Qu'est-ce qu'il fait pas? Fait une attaque lourde quoi. What was going on here? J'essaie de bien viser les tentacules. Même si je me prends un coup. Ah putain, j'arrive pas. Eh merde, voilà. Vous allez souffrir avec moi, parce que j'ai assez coupé la vidéo comme ça, ça me saoule. Vous allez souffrir avec moi, vous allez me regarder... me battre contre deux trucs à la con qui ont des tentacules. Jusqu'à la fin des temps.
On l'a eu. Donc on est plus ou moins obligé de faire deux tirs. Genre un dans le rapide et après le deuxième, que vu qu'il titube, on peut faire les tentacules. Je pense. Ah non. Non, c'est pas bon, putain. Non, putain. Yeah. Ça en fait des munitions gâchées. Hein. Bon, yay. Un par un, hein, comme j'ai dit, hein, ça passe mieux. Hein. Avec ce gameplay, hein. Ça passe nettement mieux. Online. Alors, on a 2000. Vous avez de la chance. On n'a pas besoin de recommencer encore. Du coup, on a eu surtout des munitions. Ouais, de pistolet. On va juste mettre ça. Et... ok, d'accord. Alors, attends. Y'a pas moyen de passer par là ? Par contre, on a eu un audio et je me rappelle pas du tout de qui, de elle. Observation log. Subject 324-980 exhibits an intriguing mix of characteristics. Most notably an enhanced will to survive. Recommend extraction and induction into the program. Ah là là, mon dieu. Nous, on n'est pas infecté. On a une armure une plot armor, comme on dit. Waouh! Mais d'où tu me touches? Je crois qu'on l'avait touché. On avait touché la tentacule, je crois, avec la première balle sur celui-là de droite. Poste d'infirmière. Ah, on est dans la section avec les fous, quoi. Merde, cours! Nique-toi le jeu. En fait, pour partir, il faut faire une attaque chargée. Il faut faire ça. Une attaque lourde, là, pour pouvoir les propulser. On esquive, on propulse, et après, on peut fuir. On peut pas fuir, en fait, avant. Sinon, c'est trop la merde. On est trop bloqué par l'engagement, comme je dis à chaque fois. Ah putain, ouf. J'aime bien le saut, il passe à travers le lit et tout, quoi, c'est ouf. On va le refaire, voilà. Quoi? Pourquoi j'ai pas mon arme? Pourquoi c'était rouge? J'ai bien rechargé mon arme. J'ai pas pu tirer. Non, s'il te plaît, m'ouvre pas ce casier là. Merci. Putain. Ah, me gave, là, c'est des monstres de merde, mais...
trop tard. Faut que je change d'arme, c'est la merde. Vous voyez, dans Dead Space, j'aurais utilisé la stase là, pour les staser ou alors prendre des objets pour les balancer. Mais ici, il n'y a pas d'objet vraiment contendant, rien. Là, on peut faire ça peut-être. Ah merde. Ça va peut-être le faire, ça va peut-être le faire. Yes! Ah bah putain. What? Huh! Je crois qu'il est mort avant ou plus ou moins pendant la mutation. Intéressant. Bon, on va tester, on va les attraper plus souvent, même si on peut pas les embrocher. On va quand même les prendre et les balancer contre le mur. Vous voyez, j'ai balancé la caisse, ça sert à rien. Le mec, ça a fait boum sur sa tête. Le mec, il se demandait ce que je faisais, quoi. Moi, je veux des pics, je veux des scies circulaires, je veux des trucs à balancer sur les ennemis. Oh, merde. Oh, la tentacule, elle est dans la tête, j'ai tapé la tête. Vous avez aimé le stunlock? Quand les conditions sont remplies, je crois qu'on peut complètement stunlock les ennemis, en fait, en les agrippant comme ça. Ah oui, 5, 13. Toi, t'es pas rechargé, par contre. Ok. Il y en a un deuxième ou pas? Ouais. Ah putain. Eh oui, on peut pas vraiment taper quand on... C'est bon là ? Peut-être pas exagéré quand même. On peut pas vraiment taper quand ils sont en...
en instance de se remettre debout. Ça c'est casse-couille quand même. Genre ils ont plus de hitbox en fait, ils sont invincibles. Donc je peux pas, ça sert à rien de taper, je tape dans le vent en fait. Je m'expose plus qu'autre chose. On a combien ? 8 cartouches. Apparemment, elle peut nous traquer. Some bad stuff happened here. Il est mort ou pas? Ouais. Oh, j'ai attrapé quoi? Voilà. Mais... Ah, mais j'ai plus de pouvoir, c'est ça? Je suis pas complètement sûr, hein, parce qu'il faisait quand même l'animation... Enfin, non, ouais, peut-être que j'en avais pas assez. J'arrivais pas à les attraper. Okay, très bien. Évidemment, là, il y a des pics. Honnêtement, je serais pas contre attendre que notre pouvoir revienne pour utiliser les pics. Mais... Ah bah, je vois, c'est bon. Suivant. Moi j'aurais fait une chose aussi, c'est que les ennemis en fait quand... Des fois ça les tue pas, genre ils restent plantés sur les pics et ils essayent de vous attraper et tout, ce serait marrant. Un peu comme des... Vous savez les zombies qui essayent de vous attraper entre les ouvertures de portes. Des trucs comme ça, ce serait marrant. T'attends. Mais merde, putain, il m'a fait sursauter en plus. Oh là là, j'arrive pas à le cibler. Comment perdre de la vie pour rien? Ah ouais, mais non, on a perdu vraiment de la vie. Il y avait pas de la vie par terre? Genre un moment qu'on était trop plein. Je crois pas. Bon, allez, on va utiliser un truc. J'aime bien parce qu'en fait il démantèle l'arme et il la jette, j'ai l'impression. Non, il y a les parties qui gardent, mais ouais, il les met dans la poche en fait, la poche à droite, enfin sa jambe gauche plutôt. Il y a que le chargeur qui tombe par terre. Allez, go. Ça va être fun. Ah là là, mon dieu, sérieux. Bien, bien la caméra, bien, bien, bien. Oh merde.
Ouh la vache. On s'en est sorti, mais... C'était juste. On doit utiliser un peu ça. Ça, on l'a pas vraiment trop utilisé. Ah, par contre, là, j'ai plus de... pouvoir. Et nique-toi, quoi. Nique-toi bien. What? Après, peut-être que le fusil d'assaut, c'est plus facile pour viser les tentacules, vu que c'est une rafale. Bah, j'aurais préféré que ça soit du continu, mais... On peut pas tout avoir. Ouais, non, là, fait chier, là, le coup du... Faire toucher, là, tout le temps, pour quasiment rien. Non. Bah... Ah, là. Oh, merde! Oh la blague, j'ai pas de pouvoir, je peux pas agripper la truc. Je peux pas tirer dessus quand même. Vous voyez, ça c'est un truc qui arrive jamais dans Dead Space. Parce que là en fait je crois qu'il faut que je passe par là pour pouvoir continuer. Par cette bouche d'aération. Donc bah du coup il faut que j'attende que ça revienne. Ou alors je tire dessus, mais les balles c'est pas trop ce que... Je baigne pas dedans pour le moment, donc on va attendre. Ah, ça y est, ça y est. On peut toujours faire les puzzles dans Dead Space. Pour progresser. Est-ce que le corps... Oui, voilà. J'allais dire, est-ce que le corps va se faire tirer pendant que j'avance ? Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider en fait? Tu me dis de me dépêcher, mais. Quoi, c'est genre je suis immunisé? Ah, c'est des trucs qui. Ils voient rien. J'arrive pas à voir. Ah, c'est un truc invisible. C'est bon, lui. Non, qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu utiliser les pics. Ah, le fusible. Attends, on peut remonter? Avant... Sprint. Ismaël Pris. Oui, bah t'inquiète pas qu'elle va pas mourir si je me dépêche pas. Observation. Observation log. Subject 324-980 exhibits an intriguing mix of characteristics. Most notably an enhanced will to survive. Ah merde, non, c'est pas celui-là. Recommend extraction and induction into the program. Est-ce que c'est nous le... Ah merde, je peux pas aller dans l'inventaire. Est-ce que c'est nous 351? Je sais plus. Je vais dans le menu après, je regarde. Je suis sûr qu'on... Peut-être qu'on va avoir des super pouvoirs, hein. On va faire... comme dans Doom. Ça va être marrant. Ouais, mais attends. C'est ça, je crois que c'est du secondaire, ça. Yes. Merde, ah, peut-être pas, en fait.
Ah mon dieu, je sais pas si c'est du secondaire ou pas ici. UJC printing for all your needs. Qu'est-ce qu'on fait en gros? Ah putain, je sais pas. Comment c'est cher pour le fusil d'assaut? Mezzanine. Parce que ça a sauvegardé et tout, donc du coup, est-ce que c'est pas le. La suite? J'aurais dû regarder un peu aux alentours. Ah là là! Trop bien. Il n'y a plus de vie, rien, c'est cool. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'a pas loupé des trucs du coup avant? L'autre, elle m'a dit on était presque là-bas. Non, mais ça doit être que du secondaire, ça, j'imagine. On va voir. On doit se soigner quand même. Où les pics? Merde, j'avais vu des pics, putain, c'est là. C'est pas le début du jeu, ça? Ça a bien changé, hein. J'ai du mal à reconnaître, mais... Parce qu'on était passé par l'unité médicale et tout. Oh mon dieu, ça va être plein de bestioles, je suis sûr. Non, mais j'ai plus de pouvoir du tout, je peux plus rien agripper, en fait. Avance, 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 cours. Ouais, va te faire foutre, va te faire foutre, Jacob. Oh mon dieu, il est bloqué dans le sol. Il est bloqué dans le sol, l'objet. Oh mon dieu, ce jeu. Oh mon dieu, ce jeu. Il est bloqué dans le sol, la bonbonne. Simple. Une putain de rigolade, ce jeu. Va te faire, mec. Va bien te faire, mec. Il va me toucher, et voilà. Et va te faire, mec. Va te... Permettre. Oh, c'est ouf, quoi. Ah, c'est ouf. Désolé, on va faire... Je vais faire demi-tour. On va aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Parce que j'ai pas tout fouillé. Allez, Jacob, sprint, bordel de merde.
Ouais, du coup, c'est déverrouillé là. Je comprends rien d'où il faut aller. Ah non, en fait, c'est il fallait tout simplement récupérer le fusible et revenir. D'accord, ok, ça marche. Hint ! Putain ! Allez ! Parce que des fois, il veut, des fois, il veut pas. C'est pas par rapport au sol. Regardez, là, pourquoi il sprint ? Le sol, il a pas changé. Hein. Il y a toujours de la merde par terre. Donc, je comprends pas pourquoi. Genre quoi ? C'est parce qu'il y a ça ? C'est trop près ? Non. Là, il veut. Je comprends pas. J'arrive pas à saisir la logique, en fait, là-dedans. La merde. Bon, si le jeu, il veut pas me la faire à l'envers, ce serait bien. Ouais. Ici par contre les FPS ils en prennent un coup. Je suis désolé mais même moi c'est pas également. Il y a trop de choses en fait. Je crois. Et vu que l'optimisation elle est un peu aux fraises de ce jeu. Bon, on va attraper les gens et déjà les tuer. Après on s'occupe du gros. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas, il peut rien enjamber, lui. Je vais voir si je l'attrape, le truc au sol, est-ce que je peux le jeter sur le monstre. On peut, hein. Ça c'est bien. Ok, il y en a encore un. Ah merde, t'arrêtes pas. Mais merde. Dépêche. Cours, 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 cours. Plus de batterie. Machin, il a muté. Oh mon dieu, t'arrêtes pas, Jacob. Mais va te faire foutre, Jacob. Oh, va. C'est parce que j'ai. Apparemment, en marchant, ça a explosé un truc et il a arrêté de sprinter. Et après, il peut repartir. Ah, vous allez souffrir avec moi cet épisode. Je m'en fous complètement. Ah, oh, va te faire mettre. J'ai coupé pour Ferris et j'ai coupé pour l'autre boss là qui était dans les couloirs. Cette fois vous allez. Je coupe plus rien, quoi, c'est bon. Vous allez voir ce que c'est le jeu quoi. Alors. Oh, regardez, elle est encore bloquée dans le sol. C'est trop bien. Donc si je la prends de ce côté-là, en fait, faut la bouger avant de l'attraper. Vraiment bien. Oh là là. 20 sur 20, le jeu. 20 sur putain de 20. Quoi. Allez, sprint, bordel de ta mère. Il faut ça. Oh mon dieu, trop bien. Ouais, la bonbonne elle a disparu sous le sol. Trop bien. Je
que c'était proche. Il me faut des pouvoirs là, il me faut des pouvoirs. Je vais pas gaspiller mes munitions pour eux. Oh yes. Eh merde. Oh, merde, 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 merde. Et vous voyez, Isaac, dans ces cas-là, il aurait pu faire une roulade. Esquiver. Mais moi, mon perso, il est trop con. Oh yes, c'est une batterie. Ok, on est golden. On est golden. Alors, pas prendre la bonbonne parce que sinon... On pourrait tirer dessus à la limite, mais c'est mieux quand même de l'attraper, de la tirer. Quoi. Ah, très bien, merci. Je vais mourir. J'ai marché sur un truc, ça m'a stoppé. Voilà, maintenant c'est de la santé, donc on est dans la merde. Ça marche pas du tout, hein. Ça marche pas du tout. Il faut absolument la toucher. J'ai essayé de prendre un autre angle. Mais non. Ah, maintenant elle a disparu. On a peu de batterie et je crois qu'il y a au moins un truc qui s'est activé. Peut-être qu'on peut l'attraper et le mettre dans les pics. Non. Ok, Eden. Je crois que le prochain on va devoir le combattre. Je pense pas qu'on ait assez. Non, on va pas avoir assez. Ok, on a un monstre. Yes, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Ok. Merde, je crois qu'il y en a encore un autre. On va se mettre là. Vite, vite, vite. Nique-toi, trop long. J'en étais sûr que ça allait se produire, mais je pensais qu'il allait encore résister un peu. Je pensais qu'il allait résister encore un tout petit peu.
go. Attends, je vais peut-être me mettre là. En ligne droite. Ok. Ça m'a fait chier, on va devoir rejouer au fusil, putain de merde. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Vous voyez, là on a touché un truc, mais ça m'a pas fait bouger. Ça m'a pas arrêté dans mon sprint en fait. Yes, go go go. Oh la vache, merci. Parce que là je l'ai fait safe parce que j'avais vraiment pas envie de crever. J'avais vraiment pas envie de me retaper ça. Bon, cette zone elle est horrible hein. C'est genre 20 FPS là. Regarde s'il n'y a pas des caisses qui traînent. On peut pas revenir? Attends. Ah, ils m'ont bloqué la sortie? Enfin, le retour? Avec des caisses? Sans déconner? Mais attends, c'est par là qu'on est passé. Non? Ah ouais? Non, je suis bloqué dans la zone maintenant. Je peux même plus revenir. Vendre des objets, rien. Bon, bah. Ok. Je trouve ça pute, hein, mais bon, on prend où on en est. Allez, donne-moi une reforme maintenant. J'aime bien parce que le jeu, il fait un point de contrôle après avoir tué le monstre, le dernier monstre. Oh merde, t'es sérieux. Et le jeu refait un point de contrôle après avoir passé la porte. Donc en gros, c'est à 2 secondes d'écart. Là, moi, ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai fait le tour de pour voir s'il y a des objets, mais je crois que ça montre qu'il y a des problèmes. Sujet 0. File missing. Okay. Dossier manquant, sujet 0. Oula. Ah, ok. Comment ça? Ah, c'est toi qui a... Ok. J'ai cru que c'est parce que je m'étais enlevé de... Putain, ça en a tué des monstres. Je m'étais enlevé de la ligne droite et du coup c'est pour ça qu'il s'était arrêté de viser, mais en fait c'est elle. Alors, Edward Bates. Bon bah du coup on devrait pas avoir de monstres là-dedans. Edward Bates, contamination 2301. Condamnation, pardon. Troubles civils, conspiration, couvert, résistance mentale et physique. Il a survécu de multiples altercations avec le syndicat. Signalé pour un transfert dans l'aile d'observation. Subject 324-980. Can you hear me? Me? Can you hear
C'est lui le sujet zéro. Honnêtement, faut qu'il arrête de se demander qu'est-ce qu'il faisait ici. Honnêtement, l'histoire elle est très simple hein, pour le moment. Les mecs ont trouvé un alien et sur les larves ils font des expériences et ils essayent de les injecter à un humain pour que les humains deviennent meilleurs. Enfin, j'en sais rien quoi. Faire des expériences. Elle voulait faire ça. Voilà, merci. Le problème, j'ai l'impression que. J'en sais rien. J'allais dire que en fait nous on connaît plus et on comprend plus vite que notre personnage et ça c'est un peu embêtant. Surtout avec les audios qu'on récupère. Looks like they were trying to see how long it takes to turn into those things. Bon, ça va. Je retire ce que j'ai dit, Jacob, il devient un peu plus malin, ça y est. Des fois, j'ai l'impression qu'il est un peu le mec avec le bête, genre esprit vide. Genre, il réagit à rien et tout. Et qu'en cinématique, des fois, il s'énerve, mais après... Mais bon. Hey, what are you doing? I said, what are you doing? It's only an inhibitor. To slow the rate of infection. You said you could cure her. I can, with your help. Do you have to trust me? We're wasting time, and she doesn't have much. All right, fine. Do whatever you need to do. Soon everything will become clear. Now, why don't you start by telling me about this? You saw the recordings. You know what happened on Europa? I have no idea what happened on Europa. I wasn't there when the attack happened. No, but she was. Are you sure you really want to? Yes! Do you wish? Bah enfin! Oh, oui! I gave you what you wanted. A curse of knowledge. Your core is linked with hers now. Or at least it will be once the sync is complete. Ah, on va avoir ses mémoires. But her memories will fill in the gaps, give you the answers you seek. Okay, just tell me how we can cure her. You can use this to synthesize an antidote. Oh, faut aller le faire. This is what? The goal of this madness. His ridiculous protocol. During the original outbreak, a colonist known as Subject Zero demonstrated a unique ability to synthesize the biophage, to control it. Yeah, I heard in the recording something about bigger, stronger. The next phase of human evolution. Unfortunately, he was killed during the Ark of Sterilization. Now, the Warden seeks to replicate the conditions of the original outbreak, hoping to recreate Subject Zero as Subject Alpha. By releasing the virus into the prison? He would say evolution doesn't happen in a lab, it happens in the wild. But how can he do this? There's no way he can cover this up. He's not acting alone. He's part of a group. Oh no. Dating back centuries, they seek to control the progress of human. She's waking. C'est comme Dead Space, c'est ouf. Be careful, Jacob. Once synthesized, the antidote will contain the only pure essence from his alpha. He'll want it more than anything. It's the key to all he seeks. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape for me. Black Iron is where I belong. It's you. Yeah, come on. What happened? Where am I? It doesn't matter. We got what we need. Now let's go finish this. Come on. C'est pas like something's inside my head trying to take over. Je crois hold on, we'll be there soon. Je crois que c'est l'unitologiste. Oh, ça c'est un briquet ça.
ce bruit-là. Ça, c'est un briquet qui s'ouvre et qui s'éteint. Ah bah, il est là, là-bas. Ouais, c'est ça. C'est le Zippo qu'il a. Son Max, son pote, là, qui est mort. Ouais, c'est l'unitologiste dans... je crois bien dans Dead Space, qui veulent utiliser le monolithe là pour changer les humains, genre les pousser à la prochaine évolution. Vous êtes prêts pour un pour des jumpscares? Ouais, il va sûrement en avoir. Did you see that? See what? Nothing. Elevators ahead. Should get us up to the tower. Ah, mais on va directement à la tour, on est au bon endroit. Je pensais qu'il fallait encore crapahuter partout là. Ça ira plus vite. Ah, allez, jumpscare. Ah non, ouh la vache. Ok. What happened back there? Last thing I remember is those robots jumping us. Mahler's helping us get the cure. And you trust her? T'auras pas le choix. Don't get a choice. Voilà. Yeah. Same here. Ah bah voilà. Donc pourquoi tu demandes? Pourquoi tu demandes si, si on est tous dans le même bateau? Ah, c'est joli. What is all this? This is definitely not the UJC. Bah... Who is it? Du mec là. Mais vous êtes aussi teubé. Non mais quand même là, c'est lui là, comment il s'appelle? Lui, Duncan Cool. La façon dont il parle, il a l'air d'être un mec de, d'une secte qui... Voilà, enfin, on a compris que c'était lui quoi. C'est tout ça là. C'est quoi ça? C'est un... Hein, une créature, ça doit être une météorite. Des masques, des morts, des livres. Ouais, c'est une bibliothèque de fous. Enfin voilà, normal. Pas de. C'est vraiment pas nouveau quoi. Le triomphe de Cole. Title drop. Oh. Je trouve ça un peu facile, honnêtement, comme histoire. Si on la compare à Dead Space, je vais comparer à Dead Space, je m'en fous à ce point-là, honnêtement. Enfin, j'ai fait ça tout le long et je continue. Il y avait le monolithe. Le monolithe, donc, il réanime les morts et tout ça. Et il rend les gens fous, en fait, parce qu'il infecte l'esprit des gens et tout. C'est ce que fait le monolithe. Mais... je crois que c'est à partir du 2 ou du 3, hein, je crois que c'est dans le 2, où il parle en fait de recréer le monolithe pour de l'énergie, parce que dans Dead Space, les planètes se meurent, parce qu'il y a trop de population et tout ça, ils ont déjà colonisé plusieurs planètes, si je me rappelle bien. Et du coup, dans Dead Space, en fait, il y a une certaine logique à vouloir utiliser une puissance qui est dangereuse, vous voyez ce que je veux dire? Là, le mec, c'est juste parce qu'il est cinglé et il veut juste se dire bah, tiens, le labo, ça fait. On fait des expériences dans le labo, mais ça va pas assez vite. On va la libérer dans la nature. Ça fait un peu débile. Ça serait comme si Umbrella disait que. Au lieu de faire des expériences, genre cachées pour éviter d'avoir des soupçons et tout ça, on l'a fait au grand public et on montre ça à tout le monde.
avec Umbrella dans Iron Revive, c'est une erreur qui s'est produite en fait. C'est voilà, c'est ça, c'est logique, c'est bien. Mais voilà, dans Dead Space, ils ont commencé à recréer des marqueurs, enfin des monolithes, parce qu'ils voulaient utiliser leur puissance pour de l'énergie, je crois bien. Donc dans un sens, ça a une logique de faire ça. Et après, bien sûr, sur le côté, il y a l'unotologie, là, je crois que c'est ça le nom, de la secte, qui veut, eux, l'utiliser pour changer le monde, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a même des attaques de terroristes, en fait, développer les marqueurs, enfin les machins, les pierres, pour pouvoir transformer les gens. Je sais pas, ça a l'air beaucoup plus compliqué en fait et plus logique dans Dead Space, alors que là c'est juste un fou en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je la trouve un peu simple cette histoire quand on vient de Dead Space. Et puis on dirait Doom un peu aussi quand même. Ah, ça y est, il va avoir les... Danny? Ah, ça, c'est cool. Il voit les mémoires de Danny. Ça, c'est bien, ça. Encore une fois, ça rappelle beaucoup Dead Space avec les hallucinations, mais là... Ok, donc ils ont envoyé. Il y a une seule personne qui a tué tout le monde du coup. A contaminé les gens et tout. Ah, donc il était bien au courant, c'est bien ce que je disais. Peut-être, sûrement. Mais par contre, il y a une chose, c'est pas logique. Ils étaient en route pour Black Iron. Ils rentraient en fait pour Black Iron. Donc pourquoi ils rentraient pour aller donner des des larves. And the cargo that we transported played a part in both. I could have stopped this. But I didn't. Mais ça c'est faux parce que... You made the wrong choice. Que ça soit lui ou un autre, quelqu'un... Now, how are you gonna make it right? Quelqu'un d'autre aurait fait la livraison des cargos, hein. C'est pas sa faute, hein. Il s'est fait utiliser, mais une autre personne aurait été utilisée à sa place. Mais par contre, je comprends pas trop ça en fait. Pourquoi il rentrait? Yes, you can. We're almost there. No. I can feel it. Hear it in my head. Okay. You stay here. I'm gonna come back when I get the cure. I can take care of myself. Okay. Make him pay for what he's done. Ouais. Vous voyez, parce que s'ils étaient en route pour sortir de Black Iron avec des marchandises de larves et tout ça pour aller contaminer d'autres endroits, je peux comprendre. Mais là, pourquoi ils étaient en train de revenir en fait? Ça, je comprends un peu moins. Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal saisi en fait dans l'histoire. Unit online.
J'ai un peu peur que tout notre argent passe dans les... L'argent et tout, parce que là, on a quasiment plus rien. Pardon. Tout notre argent passe dans les munitions. Parce que là... 2005... Je sais pas. Ah, ça a sauvegardé. On va voir. Mais là, on commence à tomber à court de pas mal de choses. On a un explosif derrière, si jamais on a besoin. On a un explosif encore ici. Eh ben, on a bien fait de rien acheter. Attends. Ah, mais je suis santé. Ok, fais voir. Et voilà. C'est pas ça. Faut peut-être casser. Bah, je suis débile ou quoi? J'ai pas vu de porte. Ah. Santé, fais chier. Oh. Mais t'es sérieux, je les ai pas vus? Mais je suis teubé ou quoi? Ok, très bien. UGC Printing, have a united day. Parfait. Ah, là? Ça? Ok. The greater risk is in failing to act, especially when the commonality is finally within our grasp. And right on time. He approaches. The survivor. The survivor. Solitarius. Dear Solitarius. Where's the alpha? Just give me the goddamn antidote. S'il faut, c'est lui. Your friend. I've been watching you. You and your so-called friend. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. The survivor! And what about you, huh? Watching people die for fun, is that your protocol? No. You are mistaken, Mr. Lee. The protocol isn't about death. It's about life. Our future lies out there. Our destiny. But we were not built for life in space. This fragile shell holds us back. We have to evolve if we are to survive. And now, you'll all see why. Proof that my methods are worth the risk. A final contest to determine the true survival. Oh no. Humanity! Or my out. Well, Allez. well, 5-2-1. You're really a thank you. At first I thought this was a curse. But then I realized it is a gift.
since the warden has opened my eyes, showed me my pelvis. Now, I'm gonna show you. Yay. Putain, on est reparti avec lui, quoi. Oh non. Ça commence. Oh là là, il me touche même pas, je peux rien faire. Ouais, on l'a déjà vu cette cinématique. Je pouvais rien faire. Fallait que, peut-être que je recule et pas que j'essaye de faire des pas de côté. Je vais encore tester quelques fois, puis après je couperai la vidéo comme d'hab. Ah, c'est une horreur de combattre lui, quoi. Ça sert à rien de tirer, je crois. C'est exactement pareil. Bon bah ça va. Ah, peut-être que là, ça va être un combat normal. Ou pas. Oh, ok. Pas en rien. Ah, il faut courir avec les bombes, là. Faut lui détruire la carapace. Oh merde. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. D'accord. Ok. Oh merde. Oh.
Non, ça c'est pute ça par contre. Merde, je suis bloqué. Quelle merde, j'étais bloqué. Je crois que mon personnage était trop tourné en fait. J'étais trop tourné. Ah, merde, allez où la bombe? Troisième et on est bon. Ah ah. On peut faire ça? Non, pas rien. Bouge, bouge, bouge! Oh merde, merde, merde! Ah, ok, on est bon, on est bon. Il me faudrait des explosifs en fait. Je crois qu'on est à court. Je crois que ça c'est du one shot. Hein. Quand ils me foncent dessus comme ça. Jeu quoi. Oh merde. Non. Je suis mort ou pas? Ah oui. Oh, fais chier. Oh, qu'est-ce qui va être relou ce combat. Oh mon dieu, je sens. Rien du tout. On voit rien du tout. C'est super sombre, hein, je veux pas dire au passage. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, le son là?
Faudrait de la vie, mais bon. Dans la merde, mal mis. Ok, on est bon. Oh, c'est vrai qu'il se met à terre. Oh là là. C'est vrai qu'il se baisse pour ramasser les choses. Là, on est mort. Quoi que. Chut. C'est un putain d'abruti. Ce putain d'abruti, ce qu'il vient de faire là, c'est que j'ai appuyé sur la touche. Je vais mettre pause. Je vais expliquer ce qui vient de se passer parce que c'est pas moi qui fais de la merde. Ce putain d'abruti, ce qu'il vient de faire, il vient donc. J'ai appuyé sur A pour ramasser les objets par terre, mais il se baisse. Vous avez vu, il se baisse automatiquement. Mais c'est une animation de se baisser après de revenir pour ramasser les objets. Et en fait, après, j'ai visé pendant qu'il était baissé, enfin, quand il a récupéré l'objet, et du coup, il est resté accroupi, quoi. Il est resté accroupi, pour je sais pas quelle raison. Ah, le fun. Bon, sinon, les monstres, ils viennent à foison, là, c'est pour nous redonner des munitions, je pense. Mais c'est une catastrophe qui est qu'ils doivent se baisser à chaque fois. Il arrête de sprinter, on perd du temps, et t'as le boss qui est derrière nous. Non, il aurait jamais dû avoir une animation pour se baisser, là, pour récupérer les objets. Dead Space, ça ne le faisait pas, c'était très bien. Ah, je vais couper au cas où si ça reprend trop de si ça met trop de temps. Mais bon, on va voir. Thank you.
Allez, nique ta mère, nique ta race. Va te faire foutre, mec. Je vois rien du tout. Yeah! Bah, au final, ça n'a pas pris beaucoup d'essai en fait. J'aurais peut-être même pas coupé. Non, j'aurais pas coupé. Je suis sûr qu'elle nous utilise aussi, le docteur. Ferris was weak, an imperfect vessel. But in that sample is the key to unlocking a centuries-old dream. That's not failure, Mr. Lee. That's progress. And it belongs to me. No, I don't think so. Please, this is no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. To take you back to the life you once had. We can both have everything we want. So tell me, Mr. Lee, what do you want? I'll tell you what I want. I want my sister back, fucker! C'est un hologramme. A valiant effort. But surely you know by now, I never lose. No. This time you do. Mais c'est pas comme ça qu'on fait des antidotes, hein. Je peux pas dire, mais... Such a waste. All this to save one life. Don't think you've stopped us. The data gathered here will carry the protocol to the next phase. As for you... Self-destruct sequence initiated. Goodbye, Miss Nakamura. And Mr. Lee. I do hope you've enjoyed your stay
at Black Iron. Reactor core approaching critical. Let's go this way. Okay. Run! C'est marrant, pourquoi il faisait comme s'il partait alors que c'est un hologramme? Oh mon dieu, la lumière, elle fait n'importe quoi avec ses cheveux là. Je crois qu'on a compris, c'est ce qu'on fait, Jacob. Arrête de parler, quoi. Oh mon dieu. Ça fait un peu con quand il n'y a que lui qui parle. Il n'y en a qu'un seul. Et ouais. Allez, fais ton héros, laisse-la partir. I didn't. But I do now. I can't keep running from what I've done. What are you talking about? Sorry. For everything. I do belong here. Don't do this. Jacob! Transfer worked both ways. He learned more about me, and I learned more about him. In the chaos of the moment, I didn't realize he had also given me the evidence I was looking for all along, and sacrificed his life so that I could expose the truth. Was he trying to make up for the pain he caused, or just chasing some kind of redemption? Either way, I hope he found some peace. Jacob, there might be a way out after all. Reactor 4 temporary safety is activated. But I'm going to need your help. C'est quoi cette fin? C'est quoi ce jumpscare comme ça là? Ça veut dire quoi? C'est quoi l'explication? C'est devenu un monstre au final? C'est la fin. Sans déconner. Waouh! Waouh, j'ai pas aimé la fin. Oh putain. Ah, par contre, on va zapper ça, parce que musique. Ouais, c'est... Ok. Waouh. Eh ben... J'ai pas aimé la fin. Bref. Eh ben... Alors, je vais être franc, si vous avez aimé le jeu, tant mieux pour vous, j'ai rien à dire. Honnêtement, comme j'ai dit, si les gens aiment les choses et ça leur fait plaisir, tant mieux. Moi, personnellement, j'en attendais beaucoup plus. J'ai trouvé l'histoire extrêmement simplistique, par rapport d'où vient le jeu. Parce que le jeu, c'est nettement du Dead Space, hein, on est d'accord, hein, parce qu'on va... je passe mon temps à comparer à Dead Space, mais on est d'accord que c'est du Dead Space. C'est fait par Glenn Schofield et tout ça et son équipe. Mais donc du coup, honnêtement, l'histoire des Dead Space était compliquée. Alors oui, j'avoue que ça s'est développé sur 3 jeux, mais il y avait quand même des si on prend que par exemple le premier Dead Space, il y avait quand même une complexité par rapport au monolithe et sur exactement ce que ça faisait sur les gens et tout ça. Oh mon dieu, je viens de m'apercevoir qu'ils ont copié la fin de Dead Space 1.
je crois bien. Je crois que dans Dead Space 1, quand on s'échappe en navette, je crois que Isaac, il a un, c'est le moment où on voit le visage d'Isaac, parce que pendant tout le jeu, on ne le voit pas. Et il a un flash avec Nicole, sa petite amie, là, qui est morte. Et elle lui fait un jumpscare pareil. Donc, en gros, c'est pour dire que bah, dans Dead Space 1, en fait, il faut le prendre comme ça dans Dead Space 1. Parce que ça vous pourrit le cerveau, en fait, le monolithe et tout ça. Ça s'infiltre dans votre cerveau et ça vous rend fou. Et le monolithe, c'est des choses vivantes, parce qu'après, on a la lune des nécromorphes et tout ça. Donc, c'est une entité vivante. Et c'est pour, en gros, quand vous voyez ça, vous vous dites que, bah, en fait, c'est pas lié au Ishimura, genre le vaisseau dont on va. C'est lié surtout à l'infection. Et Isaac, il n'est pas sorti de l'auberge, du coup. C'est comme ça, en fait, qu'on voit les choses à la fin de Dead Space. Hein. On voit qu'il est quand même encore tourmenté et tout ça. Et après, ça se confirme, bien sûr, dans Dead Space 2 et 3. Mais voilà. Et là, ils ont fait un jumpscare pareil. Honnêtement, c'est la même chose. Mais différent, comme d'habitude. Hein. C'est la même chose, mais différent. C'est le jeu, c'est le résumé du jeu. Mais pourquoi lui ça va pas, en fait je comprends pas pourquoi ils le font comme s'il était un peu fou et tout ça, genre même pourquoi il est tourmenté par Max, c'était juste un ami, c'était pas genre son petit ami, hein. C'était pas son petit ami où il a partagé toute sa vie avec. Après je veux bien qu'il soit proche, mais bon, le Max on l'a connu pendant 3 minutes, après il est mort. Donc encore une fois j'en reviens au développement des personnages sur une nouvelle franchise, c'est important parce qu'on sait pas combien de temps ils sont ensemble, on sait pas combien de missions ils ont fait ensemble. Ben voilà, donc je vois pas pourquoi Max est aussi important dans la tête de Jacob. Enfin bref. Mais du coup, tout le long du jeu... Ouais, non, après, pour l'histoire en général, je la trouve très simple. Hein, très très simple. Donc en gros, ils sont allés sur cette planète, ils ont trouvé donc une créature, un alien, qu'ils ont tué. Honnêtement, c'est chaud quand même. Donc ils l'ont défoncé, l'alien, parce qu'en plus, c'est même pas genre un ancien truc. Apparemment, ils l'ont vraiment combattu. Et il y a eu une infection... de la première colonie, ou alors la première colonie, elle a été construite en fait autour du site, je pense sûrement, avec le dôme et tout ça en même temps. Et donc après, il y a eu le patient zéro, où lui, par contre, est devenu très puissant et tout, mais il est resté humain, mais dans le combat, dans le bordel, en fait, il s'est fait tuer. Donc après, vu que la créature était morte, ils ont récupéré donc les larves de la créature, et là, ils ont commencé à faire des expériences, et c'est pour ça qu'ils ont fait des monstres. Mais ça, c'est très Doom aussi, comme j'ai dit. Hein, c'est très Doom de 2005, hein, je crois, le film. Où ils ont trouvé, genre, des... ils avaient trouvé, je crois, c'était... pas des squelettes. Ouais, mais... Des squelettes, je crois. Et ils ont identifié l'ADN des squelettes et ils avaient des chromosomes supplémentaires ou des conneries comme ça. Et ça permettait de vous rendre surhumain, en fait. Et comme j'ai dit, des fois, les méchants, en fait, on va dire entre parenthèses, les gens méchants devenaient des monstres et les gens gentils devenaient des super-humains. Avec des super-pouvoirs, en gros. Des surhumains. Et là, c'est vraiment la même chose, en fait. C'est exactement faire pareil, c'est faire des expériences pour qu'on recrée ce super-humain patient zéro, là. Et apparemment, donc, Ferris est devenu plus ou moins l'alpha. Mais bon, après, c'est devenu un monstre, donc au final, c'était peut-être pas vraiment l'alpha, j'en sais rien. J'imagine qu'il avait plus grande envie de survivre et tout, c'est pour ça qu'il est devenu un monstre. Mais il pouvait quand même parler et tout ça. Mais c'est comme The Rock, en fait, c'est la fin de Doom, il devient pareil. Et en plus, ils ont la même tête, honnêtement. J'essaierai de mettre une vidéo, enfin, pas une vidéo, mais une image. C'est le même système. C'est le même système. Enfin bref. C'est une histoire vraiment simple comparée à un Dead Space. Ouais. Non, l'histoire, elle m'a pas vendu du tout. Elle m'a pas vendu du tout. je trouve que... Alors, il y a un ami, Shaina, on parlait de ça, de l'histoire, et... j'avais pas encore fini quand j'en parlais, mais il m'a dit peut-être, c'est vrai que Glenn Schofield, donc le mec qui est à la tête du jeu, il est dans le côté artistique, je crois qu'il s'occupe du son et tout ça, du design et tout des machins. Peut-être qu'à l'époque de Dead Space, il avait une équipe qui était un peu plus compétente, parce qu'il travaillait pour Electronic Arts. Et du coup, ils ont pu trouver en fait toutes les idées des gens mélangés, ça a donné naissance à Dead Space. Et peut-être que maintenant il n'a plus vraiment les mêmes personnes avec qui il travaille, et du coup
y a moins d'idées intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur le coup, bah, ça affecte en fait les nouvelles idées pour le jeu. J'ai l'impression que c'est ça, moi, ce qui s'est passé. Parce que oui, c'est presque du copier-coller quand même de Dead Space, mais qui est vraiment beaucoup plus simpliste. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment pas un successeur digne de Dead Space. Et même si vous aimez pas le 3, honnêtement, le 3 est mieux de Callisto. Pas, encore une fois, pas parce que Callisto est un mauvais jeu, mais parce que tout ce que Callisto m'a proposé, c'est du réchauffé pour moi. Donc du coup, c'est pas vraiment très intéressant. C'est pas waouh, c'est trop bien. Non, c'est du réchauffé. Et Dead Space 3 est mieux parce qu'il y a plus de différentes scènes en fait. Il y a plus différents. On va sur une autre planète et tout ça. À un moment, on est dans l'espace, on est dans des vaisseaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça en fait dans Dead Space 3. Il y a plusieurs biomes, j'ai envie de dire. Genre plusieurs endroits en fait différents. Alors que là, on est bloqué dans toujours quasiment tout le temps les mêmes endroits, extrêmement confinés. Les gaines d'aération, on y passe notre vie. Enfin, c'est une catastrophe, je trouve. Donc ouais. Assez déçu de l'expérience de jeu. Mais bon. Je dirais que c'est... Et puis après, je parle même pas du gameplay, j'en ai parlé tout le long des vidéos. Donc si vous êtes encore là, je parle surtout de l'histoire, parce que vous m'avez sûrement suivi tout le long pour le gameplay et tout ça. J'en ai toujours parlé. Mais ouais, très, très moyen, le gameplay... Donc ouais. C'est triste. Je vois pas. En plus, le personnage principal, du coup, il peut. On sait pas si. Jacob, genre, on sait pas s'il meurt ou s'il est en vie. Par contre, on sait que Dani, elle va survivre. Donc du coup, est-ce qu'il va avoir une suite? Genre le cliffhanger et tout ça. Honnêtement, je crois pas que le jeu va avoir une suite. J'ai commencé à voir pas mal de gens qui disaient qu'ils ont pas trop aimé non plus et qu'ils préfèrent les Dead Space. Et que ils disent que c'est une infériorité par rapport à la franchise Dead Space en fait, ce jeu-là. Honnêtement, je suis complètement d'accord. Mais après, encore une fois, c'est parce qu'il y a eu 3 jeux et tout ça. Mais si j'essaye d'isoler les jeux et genre je prends, moi j'ai beaucoup fait Dead Space 3, encore une fois, j'adore les autres, hein, j'adore tous les Dead Space, mais j'ai beaucoup fait le 3 et j'essaye de vraiment de comparer les deux. Même et en plus, Dead Space 3 c'est le moins aimé de tous. Mais pourtant, même l'histoire, les personnages et le gameplay est honnêtement plus fun à jouer. Mais ouais. Puis le DLC de Dead Space aussi, 3, est vraiment bien. Je crois que c'est Awakened. Il est vraiment cool, celui-là. Et en plus, il est en coop. Il y a encore plus, il y a ça que je peux rajouter. Le Dead Space 3 est aussi en coop. Tout le long, vous pouvez faire de la coop. Et il y a même des missions... uniquement pour la coop. Genre, si vous faites le jeu en solo, vous n'aurez pas accès à ces missions-là, mais si vous le faites en coop, vous aurez accès à ces missions-là. Parce que notre partenaire, Carter, lui aussi, il est affecté en fait par le monolithe, parce que voilà, le monolithe en fait infecte les gens, comme j'ai dit. Donc là, il y a une raison en fait pourquoi tout le monde devient fou. Et Carter aussi, il essaye de résister à cette folie, quoi. Tout comme Isaac. Mais là, oui, non, là, il n'y a pas de... En plus, il n'y a même pas de logique pourquoi Jacob, il devient un peu fou comme ça. Je veux bien qu'il revive des mémoires de Dani et tout ça, mais la fixation avec Max, là, je trouve ça un peu débile. Un peu inutile, en fait, qu'elle n'a pas lieu d'être. Enfin, voilà. Genre, par exemple, Carter, qui est un personnage de Dead Space 3, qui est uniquement dans Dead Space 3, il vient pas des anciens Dead Space... Carter ou Carver peut-être, je crois que c'est Carter. Peut-être c'est Carver en fait. Enfin bref, peu importe. On en apprend beaucoup plus sur ce personnage-là, et alors que c'est un personnage secondaire, c'est même pas le personnage principal, on apprend qu'il avait une famille et tout ça, il avait une femme, un enfant, de ce que je me rappelle, qu'est-ce que je me rappelle d'autre. Je sais qu'il a, il dit qu'il avait aliéné sa famille parce qu'il était parti en mission et tout ça, il les a négligés, je crois que sa femme s'est suicidée, un truc comme ça. Et il a perdu son fils aussi, son enfant. Donc il est tourmenté par ça en fait. Et le monolithe amplifie en fait ses regrets et ses traumas en fait, ses traumatismes. Donc là c'est mieux, c'est plus intéressant. Mais là non. Là pour Jacob, il n'y avait pas idée. Donc ouais, non, je très déçu. Très déçu. Je l'attendais à fond ce jeu, mais là je suis très déçu du jeu. Puis en plus il est court. Et puis les phases qui sont longues, elles durent trop longtemps. C'est trop chiant.
Je sais pas, mais genre rester accroupi et backstab 30 monstres d'affilée, ça m'a cassé les noix au final, hein, au bout d'un moment. Et les boss sont pas vraiment bien non plus. Les boss sont vraiment pas bien. Ah, ouais, eh ben. C'est une mauvaise année hein, pour ce. Chage moi qui attendais un bon jeu d'horreur triple A à nouveau. Ouais, c'est pas vraiment celui-là. J'espère que Dead Space Remaster sera bien. Au final, du coup, j'ai un peu beaucoup plus confiance dans Dead Space Remaster. Parce que pour moi, l'optique, c'était. Dead Space Remaster, c'est un remaster, donc on connaît déjà, ça va pas vraiment être très très intéressant. Callisto, c'est nouveau, fait par Glenn Schofield, ça va être vachement bien. Bah, au final, non, c'est pas vachement bien. Et du coup, bah, je pense que Dead Space Remaster sera nettement mieux. Donc ouais. Ça sera tout pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, désolé, mais bon, c'est la fin du jeu. Donc faut bien que je parle. À la prochaine, portez-vous bien, et ouais. Ciao!